Bonjour à tous et à toutes. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille ici de manière très officielle. C'est un grand événement parce que nous allons être, sans doute, le premier territoire zéro chômeur de longue durée, puisqu'aujourd'hui, nous allons embaucher de nouveaux salariés, 3 au total. Voilà 4 ans qu'on s'est lancé dans cette expérimentation. 4 ans et aujourd'hui, plus de 70 salariés. Donc, c'est une réussite qui reste évidemment fragile, comme dans toute expérimentation. Bravo à vous tous d'y avoir cru. Soyez fiers d'être des ambassadeurs de la ville de Mauléon, parce que nous sommes regardés non seulement de l'intérieur, mais aussi bien plus loin, au-delà de notre département, au-delà de notre région, jusqu'à l'hexagone complet. Donc, soyez fiers et continuez sur ce chemin, cette très belle expérience humaine. On va procéder à la signature des contrats de travail. Mettez vos initiales ici. Bienvenue aux nouveaux salariés. Il ne faut pas oublier que l'expérimentation est là pour vous aider à rebondir face à cette période de chômage que vous avez eue. Profitez-en pour vous reconstruire et reprendre confiance en vous. Puis remonter la pente. Donc, ben, au nom de tous les salariés, je vais également vous souhaiter d'avoir autant de plaisir que nous à venir travailler à l'ESIAM. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, on sera là pour vous aider. Je m'appelle Sébastien, j'ai été au chômage de 2010 jusqu'au 3 janvier 2017. Je m'appelle Magali, j'ai été au chômage de 2011 au 3 janvier 2017. Je m'appelle Anne, j'étais au chômage d'octobre 2014 au 3 janvier 2017. Je m'appelle Philippe, j'étais au chômage depuis 2015 au 3 janvier 2017. Je m'appelle Sylvie. J'étais au chômage de 2013 au 3 janvier 2017. Je m'appelle Pierrick, j'ai été au chômage de décembre 2013 au 3 janvier 2017. Je m'appelle Claire, j'ai été au chômage de janvier 2014 au 3 janvier 2017. Je m'appelle Philippe, j'ai été au chômage pendant 15 ans. La première fois que j'ai entendu parler de l'expérimentation de territoire zéro chômeur, ça devait être en 2015, je crois. J'ai reçu un courrier très étrange, me disant que Mauléon allait lancer une expérimentation pour éradiquer le chômage de longue durée.
J'étais franchement très sceptique. Bon, j'ai trouvé ça utopique à un point. Je me dis, ben, ça va, c'est pas possible. J'ai vu Territoire Zéro Chômeur, je me suis dit, les gars, bonne chance. Marchons pour avoir un emploi, un bon salaire, de l'activité. Fini la galère, fini la misère. On s'est beaucoup battu pour que l'expérimentation se fasse à Mauléon. On est monté à Paris avec le maire de Mauléon, il y avait Momo, il y avait Pierrick, il y avait les représentants des trois autres villes qui voulaient faire partie de l'expérimentation. Agissons tous pour la dignité. Marchons, marchons, marchons pour avoir un emploi, un bon salaire, de l'activité. Le but de la journée était de soutenir les députés qui préparaient le projet de loi pour que l'expérimentation puisse se faire. Il y avait Patrick Valentin qui est à l'origine de l'expérimentation. Alors on va rentrer. Je ne serais pas étonné que ce soit une rencontre qui ait demain un énorme retentissement parce que nous sommes des centaines de milliers qui ont cette conviction chevillée au corps que la situation actuelle n'est pas acceptable, qu'elle n'est pas normale et qu'on peut la changer. Il y a du travail, il y a des gens et il y a de l'argent. Que demander de plus? Eh bien, demander plus, c'est demander d'organiser tout cela. Patrick Valentin, c'est un militant d'ATD Quart Monde. C'est une association qui lutte en fait contre la précarité en France. Patrick Valentin, c'est fondé sur trois principes pour l'expérimentation. Premier principe, personne n'est inemployable. Deuxième principe, c'est pas le travail qui manque. Troisième principe, ce n'est pas l'argent qui manque. Le principe qui me touche le plus, c'est pas l'argent qui manque. Moi, je pense qu'il y a du fric partout. La France est riche. Il y a des sous, il y a du sou. Le principe qui m'a, moi, le plus marqué, enfin, le plus interpellé, c'était personne n'est inemployable. Sachant que moi, justement, on me disait que j'étais inemployable, j'étais handicapé, que je valais plus rien. Est-ce qu'il y a des demandeurs d'emploi dans la salle? Est-ce qu'ils peuvent se nommer? Attendre que la France s'enrichisse plus pour créer des emplois, on voit que ça, c'est vraiment mettre les choses à l'envers. Nous, on est convaincus du contraire. On est convaincus qu'à partir du moment où tous les chômeurs de longue durée vont pouvoir avoir un emploi, avoir un salaire, vont pouvoir mieux se loger, mieux se soigner, partir en vacances, tous ces effets-là de leur emploi vont générer de la richesse et donc de la croissance. ATD Quart Monde a fait le calcul qu'un chômeur de longue durée coûte à environ 18 000 euros par an à la société. Dans ces 18 000 euros, en fait, on retrouve tout ce qui est RSA, vous avez la CMU, on trouve également l'allocation chômage, l'AAH pour les handicapés. Les allocations maladie, puisque souvent, quand on n'est pas bien, eh ben, on est plus souvent malade que d'ordinaire. L'idée de Patrick Valentin, c'était que ces 18 000 euros soient transférés vers une entreprise à but d'emploi pour justement générer du travail derrière. Il fallait une loi pour que le transfert d'argent puisse se faire. On a attendu 2 ans. Oui, donc Dominique Potier, moi je suis député de Meurthe-et-Moselle et j'ai partie des quelques députés qui bossent sur ce projet pour lever l'obstacle législatif. Il y a d'autres démarches qui sont entreprises pour lutter contre le chômage de longue durée. Donc celle-ci peut être une révolution. Pierre-Yves Marolot, je suis maire de Mauléon, dans l'extrême nord des Deux-Sèvres, c'est-à-dire 8600 habitants, 200 chômeurs de longue durée. J'ai eu beaucoup d'appels d'autres collectivités qui sont dans l'attente de ce que l'on va faire. Sincèrement, quand j'ai reçu la lettre de la maison de l'emploi comme quoi il y aurait zéro chômage sur le territoire de Mauléon, j'ai pensé que c'était un piège au départ. J'ai cru que c'était une obligation. Je pensais que le gouvernement avait mis une stratégie en place pour obliger finalement les chômeurs à aller travailler. Avant d'être au chômage, j'ai été magasinier, cariste, conducteur routier. Clara, t'es réveillée? Oui. T'es bien, mon cœur. T'as pas mis tes chaussettes?
En 2015, j'étais très en colère. Je tournais en rond, j'étais malade, j'étais en dépression. Ça, c'est un gros lézard. Tu vas te dépêcher quand même, Candice, parce que la maîtresse, ça va pas attendre. Là. J'étais papa au foyer. Marina, ma femme, la maman de mes enfants, a eu un accident le 31 août 2011. Bonjour. En rentrant du travail, elle s'est fait percuter par un camion qui roulait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. On me dit souvent, t'es un bon papa, t'es un papa poule. T'es trop, même. Je cherche du travail à 3-4 ans. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut se projeter, espérer, ouais. Donc, objectif, zéro chômeur. Ça surprend, mais c'est réalisable. Moi, j'y crois, hein. Franchement, j'y crois. J'ai pas entendu les cloches encore, mais on est pas en retard. La maison de l'emploi a été choisie par la mairie pour porter le projet. Allez, un bisou, toi. Ils ont délégué deux personnes, Lydie et puis Fabienne, qui nous ont reçus, chacun à notre tour, pour qu'on puisse s'exprimer aussi sur nos attentes par rapport à l'expérimentation, sur ce qu'on savait faire. La Maison de l'Emploi a fait une sorte de recensement de tous les chômeurs qui étaient présents sur le PMO léonais avec deux critères. C'est d'abord être depuis plus d'un an au chômage et ensuite d'habiter depuis plus de 6 mois sur la commune. Est-ce que vous touchez une allocation chômage de Pôle emploi ? Oui. Vous touchez combien par mois ? Ça équivaut à... Il y a des mois à 700 et il y a des mois à 720. Ça dépend du... Environ 700 euros. Ouais. Vous avez des contraintes particulières à prendre en compte ? Les contraintes, deux enfants à charge, deux petits. J'ai perdu ma femme à la suite d'un accident de voiture. Et à partir de là, tout a changé. La NPE m'a proposé de m'aider dans mes recherches d'emploi. Et malheureusement, on s'est aperçu que tant que les contraintes familiales ne seraient pas levées, c'était difficile. Cette entreprise qui va être créée va pouvoir aussi s'adapter à vos contraintes. Le temps partiel, ça sera une solution adaptée à ma situation. Voilà. Qu'est-ce qui vous motive dans ce projet ? Retrouver un équilibre au sein de mon foyer. Le fait de ne pas avoir d'activité, oui. On broie du noir, on regarde les autres. Il y a des gens qui me disent on ne t'appelle pas parce qu'on ne sait pas comment on va te retrouver au bout du fil. Quoi. Pour le projet territoire zéro chômeur de longue durée ? Oui. Donc c'est madame Launay. Et vous ? Monsieur Fauché. D'accord, très bien. Suivez-moi. Je vais vous appuyer à la salle. J'étais secrétaire médicale pendant 37 ans et j'ai fait un burn-out. J'étais déprimée parce que je pensais que je n'allais jamais retrouver. Autre chose par rapport à ma santé, je touchais 850 euros à l'époque, en sachant que ça n'allait pas aller jusqu'à ma retraite. Le manque de médecins généralistes, mm-hmm. qui fait que quand tu arrives le matin, le cahier de rendez-vous il est plein. Mm-hmm. Les gens qui sont dans la salle d'attente qui râlent parce que le médecin a une heure, deux heures de retard. Mm-hmm. Moi, j'ai lutté parce que je ne voulais pas arriver, je ne voulais pas craquer, mais c'est mon corps qui a craqué. Ouais. Mm-hmm. Et là, aujourd'hui, vous, ça va mieux, mais il y a... J'ai gardé des séquelles au niveau de la pression. Quoi. Je crois que j'aurais du mal à gérer. Si l'entreprise est créée, on va plutôt adapter l'offre au demandeur d'emploi, à la personne, plutôt que l'inverse. On va essayer de créer un poste, sur mesure, entre guillemets, que la personne puisse s'épanouir dans son travail et puisse développer au maximum ses compétences. Dans ce projet Territoire Zéro Chômeur de longue durée, qu'est-ce qui vous motive ? C'est le fait de ne pas recevoir d'argent sans rien faire. C'est plus valorisant de recevoir de l'argent en contrepartie d'un travail. Donc, ce transfert d'argent, c'est quand même intelligent, je trouve. Bonjour. Bonjour. Vous prenez encore le soleil, sinon on peut rentrer si vous voulez. Ah ben, on peut rentrer, il n'y a pas de problème.
Bonjour à tous. Je vous accueille en tant que maire de Mauléon et président de la Maison de l'Emploi, qui mène ce début d'expérimentation sur le territoire de nos 7 communes associées. Votre présence ici aussi me fait chaud au cœur. Ça veut dire que vous croyez aussi au projet. Et un rêve, il faut le vivre. Et un rêve, il peut devenir réalité. Et on va tous s'y attacher pour vous aider à aller plus loin dans cette expérimentation. Je trouve que Pierre-Yves, il a été super parce que c'est vraiment le rôle qu'on attend de la part d'un maire. C'est de bouger, de prendre des risques, parce que mine de rien, il a pris un sacré risque en lançant cette expérimentation sur Mauléon. Qui est à l'origine un petit peu... C'était son opposant, Bernard Arrue, qui a ramené l'idée de cette expérimentation sur le Mauléonais. J'ai suivi, je rappelle hein, que... avec Bernard, nous menions chacun une liste aux élections municipales. Ça ne nous empêche pas de nous retrouver sur des projets communs. Moi, je suis convaincu que ce projet-là, il va aboutir dans la mesure où, quand un territoire sait se mobiliser, on déplace des montagnes. On est peut-être un peu fêlé, mais au moins, à travers la fêlure, on voit la lumière, quoi. Si on vous réunit quand même régulièrement, c'est parce que vous constituez un collectif de compétences. Donc, moi, j'étais très impressionnée, honnêtement, quand on a commencé à apprendre les questionnaires. Hein, vous voyez que vous avez tous travaillé dans des domaines très variés. On touche presque tous les domaines de l'économie, hein, pour ainsi dire. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que ça, c'est du service soit aux particuliers, soit du service aux entreprises. Hein. Soit du service aux collectivités. Dans le domaine du bâtiment et travaux publics, je crois qu'on peut construire une maison. Hein. Il y a tous les corps de métier, plomberie, peinture. Donc pour nous, c'est énorme. Ça fait déjà une belle entreprise. Ça fait qu'on se dit, si on veut créer quelque chose, on a ce qu'il faut. On a les compétences en interne. On a attendu la loi très longtemps et... J'avoue qu'on a eu des moments de découragement. La loi a été votée en décembre 2015. On pensait pas que ça allait passer, mais c'est passé. C'est une loi qui a été votée avec un consensus, c'est-à-dire que la droite et la gauche l'ont votée. On a réussi à faire passer la loi. Et puis après, il a fallu attendre. Alain Robin, c'est le directeur de la Maison de l'Emploi, qui a beaucoup aidé pour chercher justement des travaux utiles. Toutes les petites actions qui n'étaient pas faites, en fait. Il fallait répertorier tous les besoins sur la commune. C'était vraiment l'objectif. Là, on a un personnage avec une grande cupule buccale, un contour de tête bien marqué. Ensuite, bien sûr, c'est les doigts. L'association, là, pendant plusieurs dizaines d'années, a été au cœur de la sauvegarde du site. Vraiment, ce sont eux qui l'ont sauvé. Si on vient maintenant à un territoire zéro chômeur, qu'est-ce qu'on peut imaginer faire ? Quelle plus-value on peut apporter par rapport aux bénévoles ? Les salariés pourraient être mettre en valeur, défricher, nettoyer. Voilà. Donc il y aura tout un travail d'aménagement et de circuit à réaliser. C'est du nombril de Vénus. Alors ça, c'est délicieux. Et ça se mange cru ou pas ? Oui, cru, oui. Ça fait un peu comme le concombre. Ouais. Moi, personnellement, je parlais qu'aux personnes quand j'allais boire mon café le matin. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de relation humaine. Donc, c'était... On a commencé à se sentir mieux, quoi. Si je regarde là, je vois du gaillet graton, des orties, de l'oseille là-bas. Le projet, c'est d'amener les gens sur les chemins, des promenades où on leur montrerait les plantes comestibles, on leur dirait ce que ça peut apporter comme vertu pour la santé, et on mettrait une petite recette. J'espère qu'il y aurait une participation pécuniaire de la part des promeneurs. Donc, espérons que ça se fasse, quoi.
À l'époque, je vivais du RSA. Et je broutais l'herbe. Au cas où. Je travaillais comme coursier sur Paris. Je suis venu à Mauléon parce que j'ai un enfant qui habitait ici. Il a 8 ans, donc il a besoin de son papa. Si on n'a pas le permis de conduire, à Mauléon, on ne peut pas trouver de travail, comme dans toute la France. Donc maintenant, je compte sur Territoire Zéro Chômeur, quoi. C'est à peu près le seul avenir que j'ai pour l'instant, quoi. Ou alors déménager, c'est-à-dire aller sur une grande ville. Donc ça, c'est pareil, ça coûte de l'argent en déménagement, donc ça bloque, c'est un blocage. Mais c'est toujours un blocage financier, de toute manière. C'est parce que moi, je sais que j'ai connu, avant le RSA, le RMI. Et le RMI, c'était bien revenu minimum d'insertion. Moi, il faudra qu'on m'explique comment on arrive à s'insérer avec 460 euros par mois quand il faut passer un permis ou déménager. C'est pour ça que les gens, ils stagnent, en fait. C'est pour ça que là, Territoire Zéro Chômeur, forcément, je m'y accroche, vous voyez, comme à un rocher. Voilà. Des Robins. Ah oui, c'est incroyable ça. Bon, tout le monde s'appelle Philippe et tout le monde s'appelle Robin. Ça, c'est normal, c'est comme le chien, il y en a partout. Ça va ? Bonjour. Bonjour. Ah tiens. Il a peur. Bonjour. 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 Notre directeur Thierry Pain, lui, il est arrivé en février 2016. Bonjour. Il est issu du milieu classique des entreprises, il a été directeur des ressources humaines. Dans toutes les compétences qu'on avait pu sortir, finalement, personne ne savait réellement diriger un groupe. Donc, il était impératif de trouver quelqu'un pour nous guider et mener à bien nos projets. Donc, je m'appelle Thierry Pain, P-A-I-N comme le pain qu'on mange. J'ai été DRH dans 3 entreprises locales. Je suis salarié de la Maison de l'Emploi jusqu'à la fin de l'année, avec pour objectif de lancer la structure, l'entreprise à but d'emploi que nous allons créer. Et j'en serai comme vous, un des salariés. Et puis voilà, on sera tous ensemble dans le même bateau pour la pérenniser. Hein ? Il y a plein de gens qui attendent de voir. Les gens veulent tous qu'on aille travailler, mais quand on met quelque chose en place, les gens n'y croient pas, quoi, en fait. Parfois. C'est vrai que les gens ont plus besoin de concret, en fait, parce que qu'ils aient quelques notions de ce qui peut se faire, parce que sinon, ils ne se projetteront pas, quoi. Enfin, je pense qu'il faut un petit début, quoi. C'est l'idée de parler de conciergerie sur Mauléon. Essayer de rendre service à la population mauléonaise, comme le faisaient les concierges autrefois, en fait, hein, dans les grands immeubles. Mais là, le faire à l'échelle de Mauléon. C'est ponctuel, c'est des petites choses qui ne sont pas faites, mais sans rentrer dans la concurrence. Il y a un moment donné où l'artisan, même lui, ça ne l'intéresse pas. Quoi. C'est trop petit, je ne fais pas. Ben c'est tout ce que je ne fais pas, tout ce qui est trop petit, tout ce qui n'intéresse personne, sur lequel il faut qu'on aille. Et il faut jouer la complémentarité et pas la concurrence. Ne pas mettre des gens au chômage, ne pas prendre la place d'une personne, ça, c'était impensable. Je ne me serais pas engagé si je savais qu'avec de l'argent subventionné, je piquais le boulot du mec d'à côté, quoi. Et c'est vrai qu'il a fallu rassurer tout le monde, que ce soit les entreprises, mais aussi les particuliers. J'ai découvert finalement qu'il y avait plein de petits travaux utiles qui n'étaient pas réalisés. Ce côté-là, c'est bien aménagé. Ce côté-là, il faudrait le remettre en valeur. Ouais. Et remettre le mur aussi en valeur. Parce que nous, en ce moment, on n'a pas forcément le temps de le faire. Coup de karcher dessus, un coup de peinture. Et voilà, donc on est dans un certain nombre de petits travaux qui peuvent très bien rentrer dans cette optique-là de zéro chômeur. Et ouais, on va peut-être passer dans les ateliers un petit peu avancés. Là,
on est vraiment dans le symbole même du gâchis. Là. Et c'est des super bons cartons. Peut-être qu'il y a quelque chose à trouver. Nous, on est belles. Hein. Bonjour. Est-ce que autour de vous, est-ce qu'il y en a qui ont eu des jardins, par exemple? Oui, moi j'ai un grand jardin. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Ben, je prends quelqu'un pour l'entretenir. Ah, ben c'est bien. Que je paye tous les mois. Beaucoup emploient aussi des gens qui ont une petite retraite et qui sont contents de se faire un plus. Ouais, et ça, on ne va surtout pas les concurrencer, ces personnes-là. On ne va surtout pas leur enlever le travail. Il ne faut pas leur enlever. Non, on est bien d'accord. L'idée, c'est bien de faire des choses que personne ne veut faire ou ne peut faire, ou vraiment rendre service. Je suis pas sortie d'ici, ouais. Hein, depuis Noël l'année dernière. Pour un achat de dentiste, pour un achat de prothésiste, de bonnes oreilles, des choses comme ça, on est embarrassé, quoi. Mais est-ce qu'il y a des passions qu'on pourrait réactiver avec un peu d'aide ou de soutien ou, La belote, beaucoup. Ouais, les jeux de belote, ça, la belote, ça marche. Sébastien est chômeur depuis très longtemps. Lui, ce qui l'intéresserait, c'est de travailler autour de l'animation. Et après, l'animation, on peut faire en sorte que ce soit adapté à tout le monde. Ça peut être sur les rapports aux saisons, ça peut être de la décoration. J'étais surveillant de nuit auprès de personnes handicapées âgées. Aussi, mon dos, il en a pris un coup avec 40 personnes la nuit à gérer. J'ai fini par faire une hernie discale paralysante et puis on m'a licencié. Et ensuite, 6 ans de chômage. Et là, on se retrouve au RSA. Dans mon cas, c'était 450 euros par mois. C'était très compliqué. Ça pèse sur le moral, il y a un moment, on peut plus. Et puis la déchéance fait que oui, on en a marre et on se dit à quoi bon continuer, quoi. C'était l'utopie totale, en fait, de dire que j'allais retrouver du travail comme ça, du jour au lendemain. J'ai écrit un petit livre documentaire qui s'appelle « De l'utopie à la réalité ». Je me suis rendu compte que ce qu'on était en train de vivre, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et je trouvais dommage de ne pas laisser trace de tout le travail qu'on avait fourni avec mes collègues. On s'est finalement aperçu que c'était réaliste. Et puis maintenant, voilà, on est à la réalité, puisque demain, c'est le grand jour. Alors là, c'est super. Ça y est. Le 3 janvier 2017, je suis arrivé à Lesiam. Je me disais, je suis en avance, il ne va pas y avoir grand monde. Et puis en fait, quand je suis arrivé dans la cour en bas, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce boss? Il y a plein de monde, ils sont tous là. C'est un moment inoubliable. C'est quelque chose que je garde en mémoire pour très longtemps, je pense. C'était génial, quoi. C'était un autre... une page qui s'ouvrait pour nous et c'était vraiment magnifique, quoi. Dans mon camion à l'arrière, ouais. Il y a les chaises. Il n'y a pas de gobelet, de café. Si, il y a de quoi faire du café aussi, dans une pièce en plastique, ouais. T'es costaud, toi. Si tu prends pas ma main, ça va. Première journée de boulot, je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. C'est une chose incroyable. C'est le début d'une nouvelle vie, quoi, c'est sûr. Je nous revois en haut de l'escalier de Lesiam, dans le hall. Bonjour, ça y est, on est arrivé. Mais on fait quoi? Les salles étaient vides. Il n'y avait même pas de siège, pas de table. On n'avait rien à faire, mais on était là. Et c'était notre premier jour d'embauche. Oui.
Oh, il fait chaud, c'est bien. Moi, j'avais peur d'avoir froid, là. Ouais, moi aussi. On est bon, ouais, c'est bon. Ouais, c'est hier, j'ai angoissé, mais là, maintenant, je suis... C'est parti. Énervée. Sébastien, je crois que t'as pas dormi. T'as dormi, Sébastien? Ben non. Ouais, ça va, je suis pas toute seule, alors. Tu vas bien? Oui, très bien. Tous mes voeux. Merci. Bonne année à tous. Tous mes voeux. Tous mes voeux. Ça commence bien? Oui. Hein? L'année commence bien. L'année commence bien. Oui. Oui. Ça fait un peu réunion ancien alcoolique, tu vois. Bonjour, je m'appelle Philippe. On va démarrer. On donne les trois coups. Depuis plusieurs semaines et derniers jours, tout le monde m'assaille de questions. Mais et ça, est-ce que t'as pensé à ça? Est-ce que t'as pensé à ci? Est-ce que t'as fait les contrats de travail? Est-ce que t'as fait les déclarations? Oula. Oui, tout ça, c'est... Oui, ouais, on va le faire, mais ensemble, hein? D'accord. Donc, on me demande combien on embauche ce matin. On est 15 plus moi, donc on est 16. Hein? Il faut qu'on crée notre culture d'entreprise et qu'on la fasse évoluer très, très vite, au fur et à mesure que les nouveaux vont arriver. On est face à un défi que peu d'entreprises ont connu. C'est quoi les valeurs? C'est quoi les principes? Comment on fonctionne? Nous, on est obligé de créer ça à 15, tout de suite, et puis qu'on soit en mesure, sans perdre notre âme, d'évoluer à 45, 70, 100. Ça va être hyper compliqué. Je voudrais prouver à tous les gens qui disent qu'on n'est qu'une grosse bande de feignants, que quand les gens ils se prennent en main, on peut faire des choses merveilleuses en partant de rien. À partir du moment où les gens qui sont là pour nous diriger nous font confiance. C'est quelque chose de ridicule de maintenir les gens comme ça dans une agonie sociale, je dirais. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai jamais été au chômage. J'étais DRH et j'ai peut-être, avec le recul, l'impression d'avoir un peu vendu mon âme au diable. J'ai refusé des emplois à des salariés travailleurs handicapés parce que j'avais déjà mon quota. J'ai fait des plans sociaux et depuis un an, j'ai rien fait de tout ça. Et si vous saviez comme je me sens bien avec vous. Le projet, ça m'a demandé un effort intense. Donc j'ai donné de ma personne, je suis venu aux réunions, j'ai participé à beaucoup de choses qui sont super sympas à faire. Et j'ai trouvé en plus de ça en vous des amis, quoi. Et maintenant, je veux plus lâcher le projet. Je veux absolument que le projet aboutisse. Il faut que ça dure. Faut que ça dure, longtemps possible. Sur le plan du contrat de travail, vous savez que vous êtes tous payés au SMIC et vous savez que moi, je suis payé deux fois le SMIC. D'accord. Là, ce que je demande que vous définissiez, c'est est-ce que vous voulez être payé sur un temps plein ou mi-temps ou temps partiel. Si à un moment donné, vous voulez changer votre horaire, on en rediscute, puis voilà. Hein. Monsieur notre maire nous fait la gentillesse de venir nous voir, donc ça c'est sympa pour ce premier jour. Que tu étais là pour nous dire un mot, c'est quand même... Dire d'abord que ma place, elle était là aujourd'hui. Hein. On est très sollicité pour reboucher les trous dans les routes, ou pour gérer des problèmes de voisinage. Mais quand même, ce projet-là, aujourd'hui, c'est un vrai projet. Tout est en place. Il n'y a plus qu'à gagner ce pari. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette année 2017, une année charnière, importante pour tout le monde. Bon courage à tous. Merci. Tu vas pas faire des rats, tu vas pas faire des pigeons. S'il y a des araignées, je m'en vais. S'il y a des araignées, je m'en vais. On va frapper parce que je pense que c'est un peu habité par des bêtes. Je me sens pas méchant. J'aime pas trop quand ça me court entre les jambes. Tu vois. Alors, bienvenue chez vous. Je suppose qu'il n'y a pas d'éclairage. S'il y en a qui veut prendre le risque d'appuyer sur un bouton, voir. Il y a un balai. Il y a la lumière. Il y a un balai. Ouais, c'est pas mal. Ce qui m'amuse, c'est que j'aime bien parce que vous êtes vraiment pas difficile. Non, il y en a suffisamment.
Ce qui m'intéresse que vous sortiez de la boutique, c'est les tables qui sont là-bas. Ça va nous dépanner quelque temps, et puis ça manque à personne. Voilà. Quand on a démarré, on n'avait pas un seul centime en caisse. Et comme j'avais vendu quelques livrets du petit documentaire que j'avais écrit, du coup, j'ai donné une 60aine d'euros à Pierrick pour qu'il aille nous faire 2-3 courses afin de démarrer. 50, non, mais 50, c'est bon. 60, allez, 50. Là, tu me donnes, c'est cher. Non. Un demandeur d'emploi tout juste embauché qui finance lui-même son outil de travail, oui, c'est assez particulier quand même. Ça faisait peur, quoi. Ça, c'était pas rassurant. Hein. Je te dis franchement, tu pars dans un truc. Alors, il faut des balais, des pelles, balayettes, sacs poubelle 50 litres et 100 litres. C'est opération nettoyage. Commence par dans ouais, 50 et 100. Merci. Ça va aller? Oui, ça va aller. Non, c'est bon. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Alors, SIAM, alors c'est E-S-I-A-M. Oui, c'est Moléon. Le nom de l'entreprise a été choisi par les salariés. Les SIAM, entreprise solidaire. D'initiative et d'action moléonaise. C'est une entreprise à but d'emploi, EBE. C'est un nouveau concept. C'est une entreprise qui marche à l'envers. Nous, en fait, on ne fait pas comme les autres. Nous, on embauche d'abord et après, on trouve du travail. Marcher la tête à l'envers, c'est quelque chose pour moi qui est très intéressant parce que c'est un défi qu'il faut relever. On doit relever le défi de se dire, on part de rien, qu'est-ce qu'on peut faire? On va la mettre... Ouais, dans la même position. Ouais. Nos gentils copains d'Emmaüs, avec qui nous avons de très bonnes relations, nous ont passé ça. Je me souviens que Bernard Arrue a débarqué à l'ESIAM ce jour-là en disant en fait, on n'a pas eu les financements, enfin, on ne les a pas encore. Quoi. Donc, c'était le bazar complet, mais bon, on était tellement contents de travailler que de toute façon, ça ne changeait rien. C'est sûr qu'on n'est pas là. L'argent doit arriver avant la fin du mois. La loi le prévoit. Donc, voilà. On fait confiance en l'État. On va fait dire. Confiance à la loi. Le salaire d'un salarié à l'ESIAM coûte quand même 23 000 euros par an. Sur ces 23 000 euros, il y a 18 000 euros qui est fourni par l'expérimentation, donc par l'État. On va dire l'équivalent de 70 % qui est payé par les aides. Mais par contre, les 30 % restent à notre charge. C'est-à-dire que si on ne rentre pas d'argent à l'ESIAM, on ne peut pas payer la totalité de notre salaire. Moi, je peux aller avec des personnes âgées, j'ai pas le diplôme, mais je peux pas faire de soins à la personne, par contre. Tout va bien. Mais si on peut faire des jeux, faire de la lecture, aller les emmener se promener, aller au cinéma, je sais pas, moi. Mais ça, on peut le faire, nous. Passer un moment avec eux. Oui, tout simplement. Et là, on prend pas la place de quelqu'un, parce qu'on prend pas la place de l'aide-soignante. Excusez-moi de vous déranger, les filles. Oui. Yes. Vous en voulez un? Merci, c'est gentil. Parfait. Pour l'instant, il nous manque des documents pour pouvoir ouvrir le compte. La comptabilité, c'est moi qui vais m'y caler. Donc, avec le soutien de Magali, probablement. Oui, peut-être. Ouais. On va commencer à ouvrir les lignes de compte. Parce qu'on a fait quelques petits achats ce matin. Donc il va falloir noter tout ça. Plan comptable, ça, le plan comptable, ça va changer depuis 20 ans. J'ai ressorti mes cours, j'ai relu ça. Ça fait du bien au cerveau, quoi. Il réagit pas pareil, quoi. Ouais, j'ai senti le changement. Ça fait peur aussi un peu, parce qu'on a peur de se tromper. Mais c'est un sacré challenge, quoi. C'est vraiment une opportunité unique de façonner cette entreprise à notre image. On va être regardé de tout le monde. Alors donc, ça donne une pression supplémentaire.
l'entraide va être la pierre angulaire, en fait, de le fondement de l'entreprise. Qui, d'ailleurs, quand on parle, on dit souvent « on », on dit même oui, plus « je ». Je crois que c'est bien intégré oui, maintenant. Oui, tout, bah, à force de c'est de ramâcher, l'équipe, c'est tout le monde. Au début, il n'y a pas de chef. C'est tout le monde au même niveau. Chacun s'est pris en main, en fin de compte. Ce qui fait que ça a donné aussi une dynamique à l'équipe qui était vraiment intéressante, puisque chacun devait s'autogérer. Et puis, il faut reconnaître que ça nous a redonné aussi beaucoup confiance en nous. Quand on est arrivé, ce n'était pas le cas. Surtout dans mon cas. Si tu fais ce style-là, il faut que les gens que tu aies une ouverture pour qu'effectivement elles puissent aller et venir à leur guise. Si elles ont décidé de pondre à 2h de l'après-midi au lieu de 10h le matin et que l'accès est fermé, elles vont pas pouvoir pondre d'accord. correctement. Donc ça, c'est le petit fascicule qu'on présente aux clients. Donc avec les coordonnées de l'ESIAM. Et puis donc du coup, le personnel, donc là l'ESIAM service en fait, ah, c'est non-stop. ça fume par moments tellement ça fusionne partout. C'est super intéressant parce que comme on est nombreux dans le bureau, du coup on échange beaucoup sur les idées. C'est, en général, ça porte bien ses fruits quand même, c'est pas mal. Le comptable est venu nous voir et ils étaient très contents du travail que j'avais fait, hormis deux, trois petites erreurs qu'il a rectifiées. Mais il m'a encouragé plusieurs fois et je prends énormément de plaisir à faire ce que je fais. Je pense que j'ai tourné une page sur certaines choses. C'est douloureux d'ailleurs de dire ça, mais voilà, ça m'a fait tourner la page. Pas totalement, mais voilà. Notre commune est associée dans le but de promouvoir territoire zéro déchet. Donc les poules, ils ont déjà fait une action papa et maman poule. Et ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir associer cette action avec la vente de poulaillers. Comme j'ai un BEP CAP en menuiserie, fabrication, je fais les plans, non. Et puis après, je vais expliquer à mes collègues, puis après, ils pourront faire. Toujours aussi bonne l'ambiance. Même avec les nouveaux qui sont arrivés, ça va. Ils s'adaptent. Hein, Yann ? Ça fait une semaine que je suis rentré dans l'entreprise. Normalement, ouais. Après, on doit être 40, d'ici le mois de juin, je crois. On a vu 70 à la fin de l'année. Ah, la Bernard. Bernard Arruc. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bon, ça termine la benne ? Ah ben, on commence à en voir le bout. Bonjour. Je présente bonjour. Corinne, bonjour. Qui travaille avec Patrick Valentin pour Territoire Zéro Chômeur. Bonjour. Là, c'est une semaine de boulot, la benne, là ? Ouais, à peu près. Et vous gardez que les bons morceaux de tissu ? Les morceaux les plus importants qui pourraient nous servir à la fabrication après. Bonjour. On les récupère et puis après, les filles font des sacs avec. La benne, c'est une des références de l'ESIAM parce que c'est le début de l'ESIAM. C'est trouver du travail, quelque chose que personne ne fait, et en plus, à but écologique.
C'est une benne, en fait, que l'on récupère d'une entreprise de confection locale. Ce ne sont que des déchets qui comportent du papier, du plastique et du tissu. En gros, il y a une benne tous les 3 mois. Le fait de trier permet de recycler. Alors que quand ça reste en mélange, ça part en enfouissement. C'est un gaspillage incroyable. Vu les heures de travail, il y a peu d'entreprises qui, aujourd'hui, peuvent rentabiliser un boulot comme celui-là. Le temps, c'est de l'argent chez eux. Chez nous, le temps, c'est du travail. Nous, c'est de l'emploi, le temps. Ah, l'idée, vaut de rentrer dedans, hein, pour tenter. Touche à tout. Ma grand-mère et ma mère étaient couturières, donc du coup. Et tout. Du jardin à la couture en passant par l'ordinateur. Bon, puis ça dépanne un peu clair quand elle a beaucoup de boulot. Chaque personne qui arrive doit être polyvalente. C'est une demande qu'on fait parce que nos activités, c'est des petites activités. La polyvalence, c'est pouvoir faire des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. On apprend beaucoup des autres. Cette entreprise est une source de savoir infinie. Hé, hey. Hey, la classe. Classe. Ah, c'est top. Non, c'est bien, mais trois, au moins trois couleurs. Puis là, tu vois, la hanse, elle est plus large que l'autre. Puis elle est pas brillée, ça. Elle est pas brillée. Hein, n'est-ce pas? Nous, on retire les tissus de la benne pour éviter qu'ils soient enfouis. Le but, c'est aussi de continuer le non-jetable. Donc, le fait de ne pas utiliser des sacs plastiques pour acheter ses légumes ou continuer le projet d'être éco-responsable. Nous, on est en train de créer un nouveau modèle économique. Le modèle économique qu'il y avait avant, c'est complètement dépassé. L'être humain, on est en train de l'user comme si c'était une machine. Moi, j'en suis la preuve. Je pense qu'il y en a beaucoup à l'ESIAM qui ont été usés par ça. Là, au moins, on a remis l'être humain en avant et on est malgré tout capable de créer des choses. En respectant l'être humain, tout simplement. Et puis la planète aussi. J'ai mon petit neveu, t'as ton fils et tout. On se dit, mince, on ne peut pas leur laisser une planète dans l'état où elle est à l'heure actuelle. Le fait de proposer des choses ou des petites solutions, peut-être à petite échelle, mais ouais, ça peut grandir après. Donc, on est tous dans cette optique-là. Ça, c'est pour emmener à Loublande, au dépôt de pain. Pourquoi Loublande? Parce qu'il y avait une boulangerie qui a fermé. Donc, c'est une association de bénévoles qui avait pris ça au départ. Et donc, ils ont mis quelqu'un maintenant qui fait partie de l'ESIAM. Ça permet de maintenir un commerce de proximité. Non, c'est très bien. Loublande, c'est une commune associée de Mollion. Nouveau métier, c'est sympa. J'aurais jamais cru que je ferais ça, mais bon, pourquoi pas. Il faudrait 2 baguettes, s'il vous plaît, au céréales. Oui, voilà. C'est 2,90 €, s'il vous plaît. Voilà, merci. Bonjour. 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 Ça va? Ça va? Oui. Ok. C'est nous qui avons créé l'association, donc suite à la fermeture de la boulangerie.
On avait entendu parler de l'ESIAM, donc on s'était dit, tiens, ce serait peut-être une solution pour un peu pallier au bénévolat, puisque nous, voilà, on est quand même aussi pris par d'autres... On n'a pas les moyens d'embaucher quelqu'un déjà, à tarif normal. Oui, donc l'ESIAM est la seule solution pour maintenir le commerce. L'ESIAM est arrivé, notre sauveur. L'heure de travail de l'ESIAM est payée 4 euros, je crois, par l'association. C'est très peu. Mais c'est sans doute tout ce qu'ils peuvent donner. Sur certains secteurs, si on ne pratiquait pas ces prix bas, l'activité ne serait pas faite du tout. La notion de service est importante à l'ESIAM. Le service à la population, c'est quelque chose auquel on tient. Ce n'est pas l'activité la plus rémunératrice, certes, mais c'est celle qui a le plus de valeur. Bon, on va tourner le serveur qui va faire pour tourner. D'accord. Pour tourner le bois. J'ai été au chômage suite à un accident de voiture. Je travaillais en menuiserie et donc suite à ça, j'ai été licenciée. J'ai une reconnaissance travailleur handicapé et j'ai une invalidité. Tout doucement, il ne faut pas que ça porte de trop, tu laisses faire. Au début, il y a un petit peu... Je réapprends les machines, puisqu'il y avait quand même plus de 10 ans que je n'avais pas touché des machines. Au début, j'étais souvent fatiguée. J'apprends à gérer, donc c'est beaucoup mieux. Puis j'arrive à la retraite, et puis comme je sais que l'ESIAM avait acheté tout le parc de machines, j'ai proposé mes services au début pour montrer aux gens comment se servir des machines. Puis on a deux bénévoles qui sont vraiment bien, qui peuvent nous aider et apporter plein de choses fort intéressantes. 80 lombriculteurs à 4 poignées par lombriculteur, ça fait 320 poignées qu'il va falloir fabriquer. La sangle, moi je la veux comme ça et comme ça. Moi je m'occupe de lombricompostage. Ça me passionne complètement. Élever des vers de terre, c'est pas commun. Là, tu vas avoir un écoulement. On va récupérer le thé de compost et l'engrais bio, mais concentré de chez concentré. Ça se vend super cher. Donc si on le commercialise, c'est de la monnaie pour nous, quoi. Et là, je peux dire un truc, c'est qu'ils ont assuré parce que le système, il est super simple et efficace. On fait du brainstorming. C'est de la transmission. Les palettes, c'est un peu notre symbole, puisque dès le début, on les a eues. Elles étaient destinées à l'enfouissement. Les palettes sont la matière première que l'on utilise. On vide les poubelles, ce qui est bien, parce que moins il y a de déchets, mieux c'est. Et on revalorise ces déchets. C'est-à-dire que c'est des déchets qui repartent sur le marché comme des choses qui vont servir. Après, tu pourras le mettre dans la réserve, là. D'accord ? Ce qui est au frigo, ouais. C'est bon. OK ? Ça là. J'ai changé. Je me lève le matin, mais je sais pourquoi. J'ai un but, maintenant. Alors qu'avant, j'avais plus rien. Et mes collègues, ils sont contents que je leur fasse la cuisine. Ben, ça me fait chaud au cœur, et puis, ben, voilà, c'est... Pour moi, c'est... Ben, je suis utile à quelque chose, quoi. Voilà. Bon, ouais. Ben, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il n'y a pas de café. Voilà, voilà. T'as pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, non.
faire. Mettre une caisse à... quand tu reçois l'argent. Parce que moi, je mets tout dans la même caisse. Hein. Tout. Donc, il faudra pas qu'on continue comme ça. Il faut que je cours après tout le monde, sinon il y en a qu'oublieraient de payer, tu vois, ce que je veux dire. Ça, donc voilà, non, je peux pas être partout. Oui, mais ça, je suis d'accord. Il faudrait que tu mettes une enveloppe, c'est l'argent que te donnent les gens pour les repas. Ouais. Et l'enveloppe d'à côté, ou la caisse, c'est l'argent que tu utilises pour les courses. Ouais, d'accord. Hein? Oui, c'est oui. C'est tout. Ouais, ouais, ouais. C'est tout à fait logique qu'il y en ait plus. Moi, puis les maths, c'est pour ça. Bon, on va essayer de retrouver la route, c'est pas gagné. Ça, ça te rappelle ? Il va falloir faire vachement gaffe au niveau sécurité, là. Je vais rester parce que je perdrai plus de temps à faire l'aller-retour que... Voilà. Je vais vous regarder travailler. Tu vas nous surveiller, c'est voilà. Ça. Bon, je suis parti des services espace vert. Je suis content parce que je rends service à la commune. Ils sont contents parce que bon, ça se passe bien. Avant d'être à l'ISIAM, j'étais un peu mal vu. Ils me prenaient pour un cassos. Mais un cassos, c'est un gars qui travaille pas, c'est un moins que rien. Je montre que je suis capable de travailler. Je suis un travailleur, je suis pas un feignant. Voilà. Oui, on a l'impression d'être en famille. Mm-hmm. Voilà. Oui. Pas t'arrêter de regarder ton émission à la télé le midi, tu viens manger avec nous maintenant. Donc c'est comme peut-être quand même un petit peu mieux, non ? Ah oui, parce que le midi, oui, regardez. Je suis employée à mi-temps. Je suis pas censée déjeuner là, mais ça fait partie de. Bah, je sais pas, de la dynamique de l'ISIAM, de travailler en groupe. On a commencé tous ensemble, et puis du coup, on essaie de maintenir ce lien depuis le début, quoi. On essaye vraiment de garder cette cohésion un peu famille. Au moins du premier groupe, après, je sais pas comment ça va évoluer, ça. L'ISIAM, il ira loin. Si on est bien ensemble et tout, ça ira très loin. Ça ira très loin, ouais. Ouais, c'est vrai. Avant, j'étais assistante maternelle agréée. J'ai perdu mon travail parce que j'étais opérée d'une hernie discale. Mon mari, il ne travaillait pas, il avait un cancer. Pour nous, c'était une période très difficile. J'ai eu 4 enfants. En 1989, j'ai perdu ma fille Émilie, de 11 ans, qui a été victime d'un chauffard. Il est monté sur le trottoir, il lui a cassé ses deux jambes, elle a eu le coup du lapin. Elle est décédée. Et dans l'économie classique, non, on ne reconnaît pas tout ça, la peine des gens, enfin, ce qu'ils ont eu, ce qu'ils ont traversé aussi. Non, c'est vraiment... non, ils ne comprennent pas, quoi. L'ISIAM m'a permis de me refaire une vie, tout simplement. Ah, voilà, notre première fille, je paye. La deuxième. Et troisième. Troisième salaire, d'accord. Là, le contrat de travail. Regarde. Il est conclu un contrat de travail à durée indéterminée. Ça fait chaud au cœur, c'est bien. Et il s'est dit, moi j'en ai beaucoup et j'ai été licencié plusieurs fois. Des entreprises qui coulent, des maladies, tout ce qui est de la vie courante. Puis même quand t'as eu ton cancer, on t'a viré comme ça, là. Ils acceptaient pas les personnes à mi-temps, c'est surtout ça. Voilà. C'est sûr qu'on vit mieux. Et c'est vrai que là, eh ben, même fin du mois, eh ben, il m'en reste encore un peu. Alors qu'avant, ben, le 12 du mois, il n'y avait plus rien. Je tiens un cahier, je vais vous le montrer. Et moi, je note tout. Alors voilà. Merci.
plat, c'est septembre 2016. Donc au départ, je mets les ressources, donc tout ce que je perçois. Après les prélèvements et tout ce que je paye avec la carte bancaire. Alors là, octobre 2016, non. Je savais que le 12, il n'y avait plus rien. On a un grand congélateur, alors bon, on fait des réserves et bon, on vit avec ce qu'on a. Oui. Ah oui. Mais on ne s'attarde pas dans les magasins. Alors que maintenant j'ai le salaire, je m'attarde un petit peu plus. Eh oui. Si j'ai repris à sourire et tout, c'est grâce à l'ISIAM. C'est vrai. Ma première paye, j'étais chez le coiffeur. Non, je me fais les petits plaisirs, ouais. Ce que je faisais pas avant. Je suis tous les jours au boulot. Je manque jamais une journée. Je me mets en arrêt maladie. Si tout va bien, je pense que j'irai jusqu'à 62 ans. À la retraite. Avec Aurélie, j'ai défriché un jardin qui a été prêté par un habitant de Mauléon. Ce sera pour nous, ça pose après pour ceux qui convolent, voilà. Un jardin collectif, ouais. Pour la cantine, oui. Pour Sylvie, pour ouais. Sylvie, oui, comme ça, pour faire les, à manger. Tu veux pas me remplacer, Philippe? Si. Parce que je galère, là. Je te remplace. Merci. À l'Eviam, il y a deux groupes. Il y a le groupe manuel et le groupe bureau. Et moi, je suis parti du groupe manuel. Moi, je ne me verrais pas travailler dans un bureau, ça, c'est clair. Ouais. Sébastien, Thierry et Daniel, je les appelle les fonctionnaires, le bureau. C'est des gens comme nous, ils sont comme nous, ils travaillent. Ouais. C'est du boulot, ils travaillent, mais je dirais même qu'ils travaillent en plus que nous. Il faut qu'ils courent, il faut qu'ils téléphonent, coup de fil sur coup de fil. Même pour les devis, le soir, c'est oui, pour les devis, tout. Il y en a qui ne se rendent pas compte. Hein. Moi, je préfère être sur le terrain que dans un bureau. Pas pareil. Aussi, moi, je les plains, ces personnes-là. Voilà, c'est vrai. Notre cher Philippe, il est formidable. Et, il aurait pu rester dans son trou et puis jamais revoir le jour, en quelque sorte. Mais... Philippe, c'est quelqu'un qui ne parlait pas, qui était introverti, qui a eu des gros soucis, qu'on ne respectait pas. On peut être fier parce que c'est quelqu'un de bien et puis il a... lui aussi, il a repris confiance en lui et ça, c'est... ça n'a pas de prix. L'ISIAM m'a sauvé. Ça a changé beaucoup ma vie. Ça m'a permis d'acheter un scooter, de partir en vacances. Ça m'a permis de retrouver mes frères et sœurs. On ne se voyait pas beaucoup. Puis quand ils ont appris que je vais trouver un CDI, ils ont dit, mais c'est bien. Puis là, on a fait un pique-nique de famille, mais j'étais invité. Mais j'ai eu une enfance difficile. On était 9 enfants. J'avais jamais vu de journaliste avant. Au début, c'était un peu dur de les rencontrer parce que c'est pas toujours facile de parler devant les caméras. Je me sentais gêné. Moi, Léon, le 23 juin, Philippe Cabé ne refuse aucun travail à l'ISIAM. Je suis un peu plus tranquille, mais je ne m'inquiète plus du lendemain. Il y a des personnes qui me tournaient moitié le dos. Puis maintenant, depuis que je travaille, tout le monde le sait. Et puis, c'est pas pareil. Ils me parlent davantage. Je suis un peu plus estimé davantage, tout le monde me parle. Tiens, on t'a vu à la télé, tiens, on t'a vu sur le journal, t'as été pris en photo. Ah ben dis donc, t'es une star, pas, si, cela. Je mange mieux, je dors mieux, je suis plus en forme. Puis je bois plus, en plus, voilà, ça m'a aidé à prendre le dessus. Boire tous les jours, ça s'arrête. Puis, je me suis soigné, le médecin m'a... Il m'a dit qu'il faut arrêter, mais j'ai pas fait de cure. Non, j'ai arrêté comme ça. Il s'est mis à l'eau, ouais.
Il y a la flotte. Je félicite M. Valentin d'avoir créé voilà, le territoire de chômeurs. Très bien ce qu'il a fait. Ah oui. Très très bien. Je le félicite. En 2017, on a organisé un petit pique-nique avec tous les salariés de l'ESIAM, les nouveaux, les anciens, pour que chacun puisse faire connaissance. Moi, je suis venu avec mon conjoint, Gaëtan. Du coup, j'ai pris toutes les bouteilles de bulles, tous les jus de fruits, les chips. Et puis, j'ai pris il y avait un sachet de coco qui n'était pas dans le sac. Pas attendu pour faire ta coloration. Là, ça va commencer à se compliquer. Bonjour. Tu es réveillée. Tu es réveillée comme moi, ça fait peur. C'est les nouveaux, ça. C'est les nouveaux. Les petits nouveaux. Les petits nouveaux. Nous, on est des vieux. On est des anciens. Je suis surpris. Allez, à nous, au pique-nique. Tout le monde a un verre, peut-être. Grand rétablissement. Vous savez qu'il n'y a pas à boire. Allez-y, premier pique-nique de l'ESIAM. Santé à l'ESIAM et la santé pour les journalistes, pour tout le monde. 6 mois d'existence, 6 mois d'activité. Et 38 salariés. Bienvenue aux 7 petits derniers. Et l'autre? Et l'autre, elle est où? Je peux rappoyer chez vous, la nouvelle. Elle est cachée. Elle cache. À toi, ma petite Pauline. Pauline, avant, c'était une coiffeuse. C'était ma coiffeuse. Elle a eu un problème à son bras et tout ça, s'est fait opérer et tout ça. Et donc elle ne pouvait plus et donc exercer son métier. Je n'ai pas trouvé à revendre mon affaire. Donc voilà, j'étais devenue rien en fait. Ni chômeur, ni salarié, j'étais plus rien. Et puis après, avec mes problèmes de santé, quand je me présentais dans une entreprise, ça faisait peur. Compliqué aussi. Puis voilà, la chance à l'ESIAM, non, c'est super. Voilà, totalement épanouie. Et il y a une super ambiance aussi. C'est que du bonheur. Voilà. Oh là 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 là, Céline. De la terrine de poisson. Ça, c'est fait maison. C'est lui le chef. Bonjour tout le monde. Dans le tapis. Oui. Il y en a du monde de ce matin. Ça bouchonne là. Voilà, c'est ça, je sais qu'il est là, c'est son bon, j'en ai plus. Ça va. Laurent, il est pas là. Pour l'instant, nulle part. Il est pas là, c'est pas 5 minutes. Bonjour. Bonjour. Monsieur Brosset. Ça va? Oui, ça va bien, Hugo. Bon. Où vous en êtes? Je commence à avoir quelques petits soucis. J'ai des bons de livraison chez mon Brico. Oui. Ils nous sortent pas des factures. J'ai une facture globale. Oui. Et moi, ils me ramènent à chaque fois des bons de livraison. Oui, les bons de livraison. Une fois que vous avez vérifié que ça colle avec ce qu'il y a sur les factures,
Vous pouvez les jeter si vous voulez. C'est ça que je veux dire. Ah, je suis pas au même niveau. Mais comme c'est fait ici, c'est très bien. Ok. Ouais, merci. Merci, maître. Donc je faisais partie des gens qui pensaient qu'il ne pourrait jamais rien m'arriver. Et que, enfin voilà, une maison, un travail, tout va bien dans le meilleur des mondes. Chômage de longue durée, c'est pas pour moi. Les a priori que je pouvais avoir sur les chômeurs de longue durée, totalement changé. On me disait qu'il y a du travail et que si on travaille pas, c'est qu'on n'a pas envie. J'ai 42 ans et c'est une nouvelle vie, en fait. C'est une nouvelle conception de la vie, c'est que du plus. Ah. Esième, bonjour. Pauline, à votre écoute. De la cour, on s'en verra dans un deuxième temps. Et puis ça sera déjà pas mal. Côté. Tu connais le chemin ? Pas de soucis. Ça marche. À tout à l'heure. Ok. C'est ça qui va commencer par... Il fait le massif et la cour. Je vais rentrer. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, très bien, merci. C'est vous ? Merci. J'ai sauté l'épaule il y a 3 semaines. Donc, je suis obligé de lever le pied. Oui. Donc, ça m'arrange bien si... De profiter de vos services. Je ne pense pas que ça durera très longtemps, mais il faut le faire. Le temps de votre rétablissement. Voilà. D'accord. Ça reste des services ponctuels parce qu'on n'est pas là pour remplacer les professionnels du secteur. Toutes les petites missions qui n'ont pas l'air importantes, en fait, elles peuvent faire travailler beaucoup de monde. Et l'expérimentation sur 5 ans, elle est là pour ça aussi. Justement pour savoir si c'est viable dans le temps, est-ce que ça va faire une activité complète pour chaque salarié. Donc voilà un peu le jardin. Oui. Et ce qu'il y aura un petit peu à faire et à donner un peu de propreté, on va dire. Oui, tout à fait. Dégager les gravillons, donc désherber au maximum. Bonjour. Vous allez bien ? Moins chaud ? Ça va être plus facile. Maintenant, il y a beaucoup plus de travail à l'ESIAM. Donc, il y a les espaces verts, il y a la couture. Mais tous les étés, comme il y a le Puy du Fou, c'est pas loin de Moléon. On travaille pour les gîtes, dedans. On fait le linge. Voilà. Alors, je vous ai fait la petite liste. Ça fait 10 morceaux. Très bien. Vous n'avez plus qu'à travailler. Mais ça va être beaucoup plus facile cette semaine parce qu'il va faire beaucoup moins chaud. Cette activité, c'est Pauline qui l'a lancée. Tiens, oui, tu lâches pas. Non. Ouais. Avant de lancer cette activité-là, on est allé se renseigner au niveau du pressing qui existe sur la commune. En fait, le délai demandé par les propriétaires de gîtes sont relativement très courts et le pressing ne peut pas honorer ses demandes. Du coup, c'est une activité qui est non concurrentielle. Non, je suis grande, non. Je veux ça avec Thierry. Très bien. Au revoir. Donc, on a fait le point avec Eric. D'accord. Alors, allez-y, hein. J'ai complété les mêmes tableaux qu'on faisait d'habitude. Donc, c'est pas les mêmes.
J'ai deux objectifs. Un, c'est me dire maintenant je suis en capacité de faire une prévision sur la fin de l'année plus précise qu'au départ, puisque oui. maintenant les charges fixes, on les connaît, enfin voilà, on les a pour une bonne part. Et l'autre point, c'est faire un petit peu une simulation à l'envers. Et du coup, que compte tenu de mes charges, etc., je puisse remonter sur un objectif de chiffre d'affaires. Alors, est-ce que c'est grave, docteur ? Est-ce que c'est grave, docteur ? Donc, le chiffre d'affaires, alors là, bon, au mois de mars, on avait vu, il y avait 2101 euros. On avait 1775, 1477. Bon, le chiffre d'affaires est toujours. Parce que ça, c'est le chiffre d'affaires encaissé. Parce que si je tiens compte de la mairie, mais là, c'est logique que vous ne l'ayez pas, que ça génère. Mais la mairie, ce n'est pas facturé. Voilà. Je suis plus sur un montant d'environ 5000 euros par mois minimum. D'accord. Donc, voilà. Il faut qu'on arrive à déterminer un coût mini à l'heure pour que quand on vend une prestation à quelqu'un, quand on fait un devis, on puisse se dire voilà, on est bien, pas bien, voilà. Il faut qu'on ait un minimum. Ouais. Quand on fait le dépôt de pain à Loublande à 3 euros, on est déraisonnable à hauteur de combien ? Quel est le niveau de perte qu'on peut considérer comme admissible en fait ? Oui, voilà, c'est ça. On est totalement différent d'une entreprise privée par rapport à ça. L'objectif principal, il n'est pas d'équilibrer nos comptes. L'objectif principal, il est d'embaucher la totalité des demandeurs d'emploi. C'est vrai. Et de constater après combien ça coûte. C'est ça. Il ne faut pas non plus. C'est vrai. Et à un moment donné, il y aura un juge de paix qui dira on ne finance pas. Ah. Je suis content de la thune que je gagne, tu vois. Là, je suis content du fric, tu vois. Mais en fait, je sais même pas si j'ai envie de changer de vie, quoi, tu vois. Et j'ai fait du chemin, ouais. Quand je vois où j'en suis, je me sens un peu mieux. Boire, j'ai mis de côté l'alcool, je suis passé par des... Moi, la misère, elle m'a emmené dans l'alcool. Ça m'a foutu la vie en l'air, en fait. J'ai 4 enfants, j'ai 2 enfants qui veulent plus me parler parce que j'étais alcoolique. Je compte sur le temps pour pouvoir raccommoder les choses. La tradition moléonaise, la bière de débauche. Et comme je suis un petit malin, j'ai acheté un verre où je peux en mettre 2 dedans. Tu vois ? La mère de mon enfant s'est séparée de moi parce que elle s'est protégée, elle a protégé mon enfant. Mais au bout d'un moment, elle en a eu marre. L'alcool, c'est dur à vivre pour les gens autour, quoi. Moi, je n'ai pas de limite quand je bois. Là, il n'y aurait pas eu les IAM, un truc comme ça, je me défonçais bien à l'alcool, quoi. Donc, voilà, quoi. Le fait de bouger, le fait de voir des gens, même si t'as pas envie de les voir, quoi, tu vois. Ça... Puis, voilà, quoi. De toute manière, c'est de ma faute, alors. Donc, je peux rien dire, quoi. Voilà. Mais pas comme ça ? Ouais. Il faudra monter plus haut, ouais. Ouais, plus haut. Beaucoup plus haut, même. Non, oui, faut... bah, non, mon trace, ça, c'est pas grave. Ah, c'est beau comme ça. On est censé voir quoi, là la Trinité ? Parce que là, oui, là, moi, je l'ai direct, là. Comme ça. Là, voilà. Ouais, mais après, tu mets... Comme ça, d'ici là. D'ici là, ouais. Juste là. On essuie les plâtres de toutes les façons possibles et imaginables. Là, c'est vraiment... Ben, il y a un moment où... Oui, on a trop de pression. Quand du jour au lendemain, on se retrouve avec 20 personnes qui vous sautent dessus. De... J'ai besoin de ça, comment je fais ci, comment je fais ça, voilà. Quand je peux aider, j'aime... Oui, ça... ouais, il n'y a pas de souci, je veux bien. Mais enfin, il y a un moment, non, je ne suis pas votre chef, les gars, arrêtez. C'est que tu étais mis beaucoup en avant aussi par rapport à pas mal de projets, au tout pas mal début de choses, du projet, je servais de relais pour tout le monde. Et du coup, Thierry ne peut pas fournir à tout. Et puis, Bah, Thierry, la pauvre, tout à l'heure, elle a couru à gauche, à droite. La tête après la fin. Faut que chacun se prenne en main. On a des phases de baisse de morale quand même à l'heure actuelle. Il y en a qui viennent me voir des fois, prennent un. Comment dire ? L'excuse, c'est ils prennent un café et puis ben, on discute. Oh, moi j'en ai ras-le-bol, c'est pas. Voilà, enfin bon, je pense pas que ça va continuer, machin et tout, mais j'y mets tant. Faut être positif, quoi, faut pas.
T'es au boulot? T'es au boulot. Là, il est en train de fumer une cigarette, l'autre est en train de faire le boulot. Ah ben non, c'est pas. C'est des gars comme ça qu'on veut à l'ICIEM. Au contraire, faut, ben, la bagarre est pour ça. Faut continuer jusqu'au bout. Non, ben c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que c'est agréable d'être dans le jardin et puis de souffler. C'est les joies du travail aussi, il y a longtemps que j'avais pas connu ça, donc je profite deux fois plus de mon jardin maintenant, en fin de compte. Moi, il y a un moment, j'ai craqué. À la base, on était 17 personnes avec Thierry, notre directeur, et puis on est passé à 20, passé à 30, et puis on est passé à 40. Là, j'avoue qu'à 40, ça a commencé à être compliqué. C'était difficile de créer l'esprit familial qu'on avait réussi à créer au départ. Il existe deux groupes, en fait, à l'ESIAM. Il existe les historiques, ceux qui ont créé du bénévolat. On a créé l'entreprise de A à Z, donc on la reprend un petit peu comme notre bébé. Et les autres sont arrivés après. C'était pas facile, parce que je pense qu'ils n'avaient pas la même motivation que nous. Pour eux, c'était une embauche traditionnelle. Quand ils sont arrivés, qu'on leur dit ben, « on n'a pas de travail, il va falloir que vous nous aidiez à trouver une activité », ils nous ont regardés d'un air abasourdi et se sont dit ben, « attendez, on vient d'être embauchés, ce n'est pas pour chercher du travail, c'est pour justement travailler ». Les personnes arrivent avec leur vécu et puis leur idée de l'entreprise classique, sauf que nous, on n'est pas une entreprise classique. N'oubliez pas de mettre les disques, parce que je peux pas faire sauter les PV. Hein. Oui. Moi, je fais partie des représentants du comité local avec Claire. Dans ce comité local, il y a des élus de la mairie, du département, il y a la maison de l'emploi, il y a aussi Pôle emploi. Ils ont pour but déjà de nous aider à trouver des activités lucratives ou non, de définir si telle ou telle personne peut rentrer dans l'expérimentation ou pas, et de surveiller qu'on ne rentre pas en concurrence avec des entreprises ou des associations du Grand Moléon. Le comité local de septembre 2017, ça a été très, très difficile. À cette époque-là, il y avait beaucoup de pression. Il y avait beaucoup de chômeurs qui étaient encore sur la liste d'attente. Donc, c'était quand est-ce qu'on va rentrer? Est-ce qu'on peut? À quelle date? On aurait pu se retrouver le bec dans l'eau et dire, maintenant, on ferme la porte et on arrête tout. Aujourd'hui, moi, la question que je vous pose est la suivante, c'est de dire, option numéro 1, on reste à 40. Solution prudente, voilà, raisonnable, raisonnable. L'autre option, on embauche 15 personnes de plus rapidement, voilà, en sachant que ça va nous enterrer, quoi. Enfin, très clairement, vous le savez. Voilà, est-ce qu'on se donne du temps ou est-ce qu'on continue? Comme je suis quelqu'un de très prudent, j'étais pas du tout chaud pour une embauche de 16 personnes supplémentaires. Moi, j'ai toujours appris à vouloir asseoir les choses avant d'aller plus loin. Le mois de juillet, le mois d'août, finalement, on craignait un petit peu une baisse d'activité. Finalement, notre chiffre d'affaires, c'est bien maintenu parce qu'on est à 7 500 € à peu près environ sur les deux mois, juillet et août. Et j'en profite là pour saluer mes collègues parce que franchement, en plein mois d'août, canicule, etc., l'activité, repassage, lavage de draps, physiquement, c'est voilà. Et puis la preuve aussi, c'est que les organismes professionnels ne veulent pas le faire. Oui. Voilà. Donc ça veut bien dire qu'il y a un vrai problème, hein, que c'est un vrai travail difficile. Quel serait le chiffre d'affaires d'équilibre? Je pense qu'on a aux alentours de 20 000 € mensuels. On est à la moitié, allez. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin de budget, de fonctionnement, de façon récurrente. À un moment donné, il faut accepter qu'effectivement, on finance du loyer, des charges, des frais généraux, des crayons, du papier, des ordinateurs, etc. Et que ce ne sont pas des dépenses inutiles, ça fait partie de la vie d'entreprise, hein. Et ça, c'est hyper compliqué. C'est lié au démarrage. On est sur les deux premières années. Quoi, voilà, c'est ça. Où il faut des fonds propres. Voilà.
C'est ce que je demande. Et j'ai besoin de vos témoignages pour le remonter à l'administration nationale, pour lui dire, si vous ne me les donnez pas, c'est l'arrêt de l'expérimentation. C'est mon argumentaire, si vous voulez, pour essayer d'obtenir cet argent. Je vais vous demander d'accélérer les recrutements. Il est très important pour cette expérimentation qui est au moins un territoire, si possible deux ou trois, qui arrive le plus vite possible à une certaine exhaustivité. L'exhaustivité, c'est que l'emploi soit devenu un droit pour tous sur le territoire. C'est ça l'objectif qu'il faut atteindre le plus vite possible. On est à la moitié, hein, puisqu'on doit être à peu près... On a 40 salariés et on doit avoir globalement une quarantaine de personnes en attente. Donc on est à mi-chemin quand on parle d'exhaustivité. On y va ? On passe, on va se faire notre réunion, ça marche ? Puis l'idée, c'est que tout le monde arrive à s'exprimer sur les valeurs qu'il voudrait faire ressortir à l'ESIAM, quoi. Elles sont magnifiques, hein ? Toutes pleines de symboles, et ça, c'est génial, quoi. Je vais vous demander, pour commencer, de venir autour de cette table, de piocher une carte qui correspond à votre état d'esprit du moment. Et après, on en discutera. Moi, j'ai choisi cette carte parce que c'est un tableau blanc et Lisa nous décrit l'histoire. Moi, j'ai pris ça. On part à l'aventure. C'est une aventure, en fait, parce qu'on rencontre des gens qu'il faut bosser avec. Et c'est vrai que c'est tous ensemble, quoi. Il y a le bas de l'échelle et il y a le haut de l'échelle. Donc moi, je pense qu'on peut monter très haut, mais on peut descendre très bas. Donc à espérer qu'on restera en haut. Ça te bat haut, là ? Faut qu'on avance ensemble, que la rêve avance ensemble, bien. On n'arrivera pas à avancer ensemble, on le coulera tous. L'ESIAM est un peu à contre-courant des idées de la plupart des entreprises. Mais est-ce qu'on veut vraiment aller dans ce sens ou c'est juste un effet d'illusion ? La question, c'est quelles valeurs voudriez-vous voir à l'ESIAM ? Et puis après, comment les mettre en avant ? Je prends des avertissements parce que je me suis engueulé avec Adil. Adil, il ne prend pas d'avertissement. Ça veut dire quoi, ça ? Il y a quoi ? Il y a des têtes de Turcs ici, ouais, ou quoi ? On peut en parler après, mais c'est pas ça, le moment. Enfin, on va essayer de construire quelque chose. Et moi, tu me demandes de construire quelque chose. Mais non, j'ai pas envie de construire, j'ai envie de me barrer. J'ai prévenu Thierry que je me cassais d'ici. Depuis que j'ai arrêté de boire, j'ai des meilleures relations. Au niveau de mes collègues aussi, ça s'est vachement amélioré parce que moi, je suis un sale caractère quand je bois. D'ailleurs, je ne connais pas d'alcoolique qui ont bon caractère. Mes collègues, ils m'en ont pas tenu rigueur, je leur dis merci. Donc là, on a déjà le même salaire et je vais rajouter égalité des responsabilités. J'ai un référent qui s'appelle Christophe. Au début, on a fonctionné sans référent, mais on s'est rendu compte en fait qu'il fallait quand même un référent. On n'appelle pas ça des chefs parce qu'on est tous égaux, mais il fallait des personnes référentes sur certains pôles d'activité pour soulager la direction. Les références sont augmentées de 10 à 15% par rapport au SMIC. Voilà, c'est un petit camion, donc pour commencer, c'est déjà pas mal. Ça...
change un petit peu des chiffres. 20 mètres, ça aérait un petit peu l'esprit, je pense aussi. Il fait du bien de sortir. Quand je vois un camion, je peux pas m'empêcher de penser à ma femme, quoi. Ça me fait du bien quand même de conduire. Salut chef. Ça va ? Tu vois, regarde. Ah ouais, c'est que des chaussures, là, on est tombé. Ah là, les chaussures, on va les faire après. Donc tu vois, regarde, quand tu prends ta veste, tu le vois au niveau de ta fermeture tout de suite. Tu vois si t'as une tache. Quand tu le prends bien sûr là, tu vois, regarde. Après, t'essayes, tu vois pas de tache, t'essayes tout de suite ta fermeture éclair. Là, tu vois, regarde. Ça bloque. Donc ça, c'est à virer. C'est des menuiseries qui sont en fin de vie. En fait, aujourd'hui, il est broie, tout entière, et ils les mettent en enfouissement. Ouais. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'on va recycler tout ça, mais dans un circuit très court avec nos voisins, quoi. Je crois que tu dois y arriver, là. Bon, on va essayer. Donc, je vais vous montrer, en fait, tout ce qui est arrivé. Donc, là, il y avait la valeur d'une semie. Le plastique repartira chez Polyrex, c'est l'entreprise Camoulin à 3 km. Ouais. On va lui envoyer tous les profils PVC. Tous les PVC, oui. Et après, eux, ils vont le recycler. Et ils vont refaire un granulé qui servira à refaire d'autres menuiseries et à choler. D'accord. Donc en fait, c'est génial, quoi. Il y avait un déchet, et puis grâce à nous, ben, c'est plus un déchet, quoi. Les contrats que vous allez signer aujourd'hui, votre CDI. Alléluia. Voilà. On a tous réfléchi cette nuit, et je pense pas. Quoi. Si on cumule les heures de sommeil, on est fait une nuit complète à nous tous. Vous avez tort, j'ai bien dormi, moi. Ça ne va pas tracasser, vous voyez. Et pourtant, j'en ai. On dormira mieux dans les jours à venir. Vous êtes en contrat à durée indéterminée, donc le fameux CDI. D'accord. Vous intégrez les IAM, vous avez, en tant que citoyen du territoire, le devoir de chercher du travail à l'extérieur. Parce que si vous y arrivez et vous trouvez le job, bah du coup, moi, ça me libère une place, je peux embaucher quelqu'un qui aujourd'hui est en attente de rentrer. Ce qui est important aussi, c'est que nous, on va sécuriser cette transition. Cette possibilité d'aller à l'extérieur, on va la sécuriser au maximum. C'est-à-dire qu'on ne va pas rompre votre contrat. Ça vous permet d'aller tenter l'aventure, si j'ose dire, ailleurs tranquillement, sans prendre de risque, parce que vous savez que derrière, si ça marche pas, ben c'est pas grave. Et ça permet aussi à l'employeur de vous essayer plus sereinement. Ça facilite l'essai. Et à un moment donné, vous pouvez faire valoir votre droit à retour. Voilà. Ben vous pouvez signer, si vous voulez. Alors, tiens. Merci. Merci. Félicitations. Comme lundi. Oui. Félicitations. Parce que j'ai quelque chose. On est dans la même équipe. Le haut, là, c'est en graine. C'est une graine de là, il est bien spécifique au compost. Ouais, c'est des petits rouges. Ouais, c'est...
Ceux-là, ils sont épiphages. C'est-à-dire, ils remontent à la surface pour manger, les autres, ils restent en terre. Ils font des trous, quoi. Hop là, bien là, toi. Il y en a, ils sont complètement speed. C'est impressionnant, quoi. Ah ouais. C'est mon fils Samuel qui adore jouer avec. Depuis tout petit, toi. Ah oui, mais il sait que je vais devenir lombriculteur. Ouais. C'est de l'or. Moi, où je suis effaré, c'est que je travaille avec des collectivités qui ont des déchets verts, qui savent pas quoi en faire, qui achètent du copeau, qui achètent du compost, qui achètent du terreau, alors que bah, ils ont déjà tout ça fabriqué. C'est quelque chose de vital. De vital. T'as pas de lombric, t'as pas de terre, t'as pas de terre, tu bouffes pas. C'est ça qui me plaît. C'est se rapprocher d'un processus le plus naturel possible. Bon, alors là, on va poser ça. Ça. Donc là, tu mets les vers de terre. Ils vont tout de suite rentrer dans la matière. C'est impressionnant. Ah, ils savent où ils vont. Hein. Ah, ça, il y a un pain partout. J'ai demandé à Pôle emploi de me payer le permis pour pouvoir trouver du travail. On m'a dit non, vous trouvez du travail et on vous paye le permis. C'est comme ça que ça se passe. Donc, à partir du moment où j'ai eu du travail, le CDI, Pôle emploi, ils m'ont dit bah, venez, on vous paye votre permis. Et le premier crédit de ma vie à 55 ans. T'imagines, pour acheter une camion. Il faudrait que tu ailles chercher donc Magali quand elle a terminé sa mission à Saint-Aubin. Oui. Puis tu la ramènes chez elle. Ça te fait une belle journée du lundi là quand même. Hein. Tu vas pas t'ennuyer. Quand on a démarré, on savait pas quelles activités on allait faire. Et puis 2018, là, l'explosion totale des activités. Et comment ça se fait que nous on est resté au chômage aussi longtemps? Alors qu'il y a tout ce boulot qui attendait, en fait, qui... c'est là où on s'est dit, mais c'est aberrant, en fait. Bah, le patronage papier, d'abord. Ah oui, bah, parce que du coup, on peut pas gâcher le carton, on n'a pas beaucoup. Chouette. Anita. Eh, Véro, est-ce que tu pourras me lancer une machine de tout ce qui est torchon serviette, parce qu'on va commencer à avoir une quantité, avec ceux de l'atelier bois en même temps. D'accord. J'ai pas de trombone. Est-ce qu'il y a des couleurs qui correspondent? Parce que j'ai pas de violet. Hein. C'est parce que je t'aime bien. C'est bien. Ça va faire flash-flash. Hein. Je sais pas, à vous de voir. Au final, ouais, il y a du boulot. Et il y a même trop de travail, puisqu'il n'y a pas. Nous, on n'a plus assez de chômeurs en fait, pour mettre sur les activités. Alors, c'est le monde à l'envers. C'est particulier quand même. On est de plus en plus connus, donc les gens nous font souvent appel à nous. Et la couture, c'est une mission de repli. Donc c'est voilà, on n'est pas censé en fait en faire tout le temps. C'est vraiment quand voilà, il y a des trous, hop, on se greffe sur cette activité-là, qui en fait voilà, qui nous permet à nous d'occuper les gens à plein temps. Il faut absolument qu'on travaille à l'extérieur pour apporter un soutien financier à l'ESIAM. C'est ce qui permet à l'entreprise de vivre et puis voilà de pérenniser l'emploi. Tiens, regarde, t'es chouette. 2017-2018. Fait quand même une belle progression. Laquelle la plus belle? Ah, moi, je trouve que 2018, elle a la classe. Les gens ont changé de regard sur les IAM. Au début, ça a été super froid parce qu'il y avait un gros point d'interrogation au-dessus de les IAM. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est vrai que, ben, y a certains gens qui n'y croyaient pas, quoi.
Elle dit, mais non, mais de toute façon, c'est des chômeurs, c'est des feignants, et puis même si y a ça, ça marchera jamais. Quand on a eu la possibilité de faire une porte ouverte et que les gens ont vraiment découvert nos activités, c'est à ce moment-là que concrètement, ils ont eu un regard approbateur par rapport à auparavant. Que vous voyez derrière. On peut mettre jusqu'à 5 poules. Vous faites ça avec de la récupération ? Oui, c'est que de la récupération. D'accord. Oui. Chaque chose est séparée, chaque chose est revendue. Ce sont des activités qui ne font de concurrence à personne parce qu'il y avait un réel besoin sur le territoire. Alors, laquelle tu veux enlever, toi ? La discrimination. La discrimination, celle-là, là ? Oui. Allez, vas-y. Ouais. J'ai enlevé le chômage. Ouais. J'ai enlevé la pauvreté. Pauvreté, allez, hop, y'en a plus. Ah, c'est bien. Et on dit ? On dit merci à Lysiam. Petit bisou. Voilà. Et c'est une petite vignonnée sur de la famille. Là, vous plantez et vous mettez du thé de compost. Vous avez des légumes super bons et sans produits chimiques. C'est ça, c'est zéro produit chimique. C'est le jardin de... Tu vas raconter du cimetière. Il y a des tomates, des patates, il y a des volailles, des oignons. Ouais. Voilà. Bravo. Les habitants de Melion sont très contents du travail de Lysiam. Quand je vais à l'idole, je suis paru, il dit c'est très bien ce que vous faites. On est content de vous, vous bossez bien, surtout à la commune, même chez les particuliers. J'aime bien rendre service moi aux personnes âgées. Et voilà. Oui, tu n'es même pas si loin. Comme ça, là. Là, comme ça, oui. Oui. 50 cm, oui. Et là, à peu près là, oui. Ça vous fait quel âge, monsieur Bonenfant ? Ça va me faire 87 bientôt. 87 ? Il y a combien de temps que vous faites le jardin ? Oh, il y a un petit 40 ans. Je ne sais pas plus. Mais... Tout bio. Hop. C'est propre, c'est nickel. Ah oui. Petit à petit, on a montré qu'on avait une utilité sociale, économique sur le territoire. On est utile à la commune, on est utile à la communauté. Parce qu'on prend tout ce que les autres ne veulent pas. Mais qui doit être fait néanmoins. France, ils s'en occupent de ça. Il est classé. Oui, il est classé. Ils veulent nous confier l'entretien jusqu'à la sortie. De fil en aiguille, en fait, les gens se sont rendus compte qu'il y avait plein de petites activités qui étaient laissées à l'abandon et qui méritaient, oui, d'être mises en place. Et puis ça offre un cadre de vie qui est quand même plus agréable pour tout le monde. Les gens qui sont salariés maintenant dépensent sur Moléon. Donc on voit bien que ça fait vivre au niveau social, au niveau économique. En remettant des gens en activité, on a relancé l'activité économique. Tout simplement. J'ai mon permis de conduire, mais en fait, je suis phobique. Donc, je ne conduis pas.
Nous, on est convaincus qu'une entreprise à but d'emploi est essentielle. On est dans l'économie circulaire. C'est quand même le futur. Faites attention, vraiment, ça glisse. Et elle colle aux besoins de la planète. Pas mal. On est vraiment axé sur l'écologie, en fait. Sur notre avenir, puis sur l'avenir de nos enfants. Pour ça, pour montrer que tous les déchets sont réutilisables. Qu'un déchet, c'est pas un déchet, c'est une matière première. Notre chiffre d'affaires augmente, puisque monsieur le maire, lors des vœux, nous a signifié qu'on est passé de 75 000 euros en 2017 et enfin 2018, on était à 200 000. Même si l'entreprise, il ne faut pas se leurrer, elle est fragile, puisque financièrement, on est juste à la jonction. Mais les objectifs ont été atteints et c'est vraiment, on peut que s'en féliciter. C'est un bâtiment qu'on vient d'acquérir pour y mettre toutes les activités qui tournent autour du recyclage. Quand je regarde ma situation financière, je vois bien qu'on n'est pas loin de trouver un modèle économique viable. Donc je pense véritablement que ça peut fonctionner. Mais encore une fois, le poids du collectif est hyper important, quoi. Ça ne peut pas reposer uniquement sur quelqu'un. Ça, c'est pas possible. Il faut que tout le monde se dise, bon allez, je contribue, j'y vais, je pense à l'ESIAM, j'ai quelque chose, ah tiens. C'est comme ça que ça fonctionnera. C'est complètement une logique différente. C'est un projet de société. C'est plus qu'une petite aventure de création de 50 emplois. On est en train de développer quelque chose qui ressemble à un nouveau modèle à la fois écologique et économique. En disant aussi, on ne peut pas laisser les gens derrière soi. Ce n'est pas des déchets. Moi, je ne suis pas un déchet. Je suis une valeur ajoutée au final. Même si je suis handicapé, je suis une valeur ajoutée. Je ne suis pas un déchet. Nous nous trouvons devant l'église, alors l'église de la Trinité. Pourquoi il y a deux clochers ? Alors c'est une question d'esthétique. Est-ce que tu sais ce que c'est l'esthétique ? En fait, c'est la beauté, tout simplement. Il y a des églises qui n'ont qu'un seul clocher. Et puis monsieur le curé, qui était à Moléon, il a dit « Moi, je veux faire une église encore plus belle, alors je vais rajouter un autre clocher. » Si l'ESIAM fermait, c'est pas possible. Je veux pas. Non. Il en est hors de question. Il est hors de question que l'ESIAM ferme. C'est inenvisageable à la fois pour moi et pour mes collègues. Non. Ce serait un gros gâchis parce qu'on a quand même il y a eu beaucoup d'énergie dépensée, beaucoup d'idées qui ont été données, beaucoup de sens aussi aux choses. Donc ce serait vraiment un gâchis. Si l'ESIAM fermait, je pense que je pète un câble. Parce que je me vois mal retourner à 400 balles par mois. On ne sait pas comment on se retrouve au fond du trou, mais on sait qu'on y est. Et quand on en sort, on n'a surtout qu'une envie, c'est de pas y retourner, quoi. Je serais un petit peu embêtée parce que je ne sais pas ce que je ferais. Mais j'essaierai, ça me permettrait aussi de rebondir. De pouvoir me dire, maintenant tu as fait des choses que tu n'étais pas capable de faire.
comme par exemple cette interview. C'était quelque chose qui, il y a quelques années, on ne m'aurait même pas demandé de passer devant une caméra, ça aurait été l'horreur. Et je me dis, ça peut être un plus dans un CV. C'est pas ce qui se passera, mais je pense que l'entreprise se fermera pas. Hein. Bon, non. Ouais, les IA me fermera pas. Les IA me fermera pas. Je ne peux pas imaginer que les IA me ferment. Voilà. Et les IA me fermera pas, c'est pas possible. Celui qui ferme les IA, mais. Il a rien compris, quoi. C'est une philosophie de vie et voilà. Et un projet qui nous prend aux tripes, donc qui nous change aussi profondément. Je voudrais des repolitiques. Il faudrait qu'il y en ait d'autres dans toute la France. Vous pouvez nous faire confiance. On travaille. Chop, chop, chop.